Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va prendre un petit peu de hauteur parce qu'on va faire voler notre petit drone et on va également visiter Villecrosse, qui est une ville très charmante, très très belle pour la grotte et la cascade. Et on va aller un peu se balader ensemble dans ces petites ruelles. Alors, n'hésitez pas, si vous avez aimé la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous. Je vous fais plein de gros bisous et à tout de suite. Allez, ferme les yeux et tends la main. Bien, tu vas devoir reconnaître rien qu'au toucher ce que c'est. Est-ce que ça se mange? Oui. Je peux te donner un indice, ça se mange. Pourquoi tu dis dehors? Oh là là. Au toucher, tu dois me dire ce que c'est. Un cuberdon. Oh, ah, la violette était. Hein. Oh, t'as ramené ça de Belgique? Chez Pilate. Pilate. Comme d'hab. Oh. Pilate, Pilate, Pilate. À l'intérieur, c'est délicieux. Ça se croit. Ouais. Oh, c'est toute ma vie. Mmh. Oh, c'est tellement bon. C'est trop bon. Alors, Régine. C'est comment? C'est très très bon. J'ai l'impression d'être affûté. Tu fermes les yeux, t'es à Acte. On est à Acte, ça y est. L'église Saint-Julien est à notre gauche. Voilà. La place principale à notre droite. Et la maison de Julien Aurélie un peu plus haut. Un peu plus haut là-bas. C'est ça quoi. Bah, merci beaucoup. Hein. Merci pour cette dégustation. Bon bah Régine, t'as une raison d'en plus pour venir en Belgique. Voilà. J'aime bien les... Et tu fermes le paquet mon amour? T'en veux un? Bah un peu ouais. On en aura un en plus. Ils en font plusieurs maintenant. Miam miam. Et notre drone est parti se balader. Tu vois, t'as une caméra en fait. Il est parti dans le ciel. Moi je veux pas pareil avec ton prénom. Des fois t'en disant ça, tu dis est-ce que c'est un nid ou est-ce que c'est un. Ah ouais, on est pas très loin ici. Pas les zones militaires ici. Bah ouais, on a vu. Alors si vous voyez le petit point. Au centre de l'écran, ben, c'est notre drone qui se balade. Bonjour les amis, alors ici on est à Villecrosse où on va aller visiter la grotte qui s'y trouve et ainsi que il y a une petite cascade, donc on va aller voir ça, on va aller visiter. Ici j'ai Ninon dans mon dos cette fois, elle n'est pas devant, elle est derrière, voilà, comme ça elle est dans le sens de la marche et en avant pour la visite. Yeah. Un superbe soleil, il fait environ je crois 17-18 degrés aujourd'hui, mais il y a un petit vent frais, donc voilà, on a quand même sorti le pull, la petite écharpe pour éviter les rhumes, mais pour le moment on a eu vraiment de la chance au niveau des températures et du temps, ouais. Ce qui n'est pas le cas d'après ce qu'on a entendu en Belgique où dans le nord il fait très très moche, donc on est parti au bon moment je pense. Surtout qu'il fait pas trop chaud, donc ça nous permet de vraiment bien profiter, de balader sans
sans mourir de chaud. Là, c'est les grottes, visiblement. Comment on y va, en route, hein? Alors, Julien a déjà repéré quelque chose qu'il aime. Hein? De l'eau. De l'eau. Quelle belle petite cascade. C'est super mignon. Aujourd'hui, c'est Julien qui fait le porteur d'eau de l'ange, de lingette. C'est moi le Sherpa. Tous les sacs. Alors, les marches sont assez hautes. Enfin, c'est vraiment creusé dans la roche, donc. Et ça glisse aussi. Alors j'y vais à mon aise parce que comme j'ai Nino en portage et que je tiens le stabilisateur avec la caméra, ben du coup je n'ai qu'une seule main de libre réellement, donc si je me viande, je me fais mal. Bon, et bien pas de bol, on voulait aller à l'office du tourisme pour voir si on pouvait quand même aller avec Nino dans les grottes, parce qu'en réalité c'est interdit aux enfants de moins de 6 ans. Donc, parce qu'il y a très peu d'accès, très peu d'espace, même niveau PMR c'est zéro, ce qui est un peu logique vu que ce sont des grottes. Mais du coup, comme Nino est en portage, est-ce qu'au final ça aurait été d'aller visiter ces grottes avec Nino? Ben du coup on ne sait pas vu qu'on ne pourra pas poser la question aujourd'hui. Donc on va aller visiter la ville. On tentera notre chance demain peut-être. Ouais, les arbres sont magnifiques, hein. Ils sont immenses.
Des platanes, des platanes. Ils sont immenses. C'est des platanes. Hop. Un bon vieux platane. Cette église. Oh, des fruits frais. Alors Aurélie, la folie du petit poney encore frappé? Ouais, ouais, j'en ai acheté un. Mais vas-y, fais-moi bouffer la moumoute, je dirais rien. Non, j'ai craqué. T'as craqué sur? Un petit poney. Ouais, il y avait longtemps. Ouais, quand même, hein, je trouve. Je me suis retenue pendant... Ah bah depuis la Croatie. En fait, j'en ai pas acheté. C'est vrai. Depuis la Croatie. Mais celui-là ressemblait fort à celui que ma grand-mère m'avait offert quand j'étais petite. Donc, tu vas nous le montrer tantôt, il est déjà dans ton sac. Je peux le sortir si tu veux. Non, tu montreras tantôt. On montrera tantôt alors. Ouais, ça marche. On visite pas les grottes, mais c'est super joli comme petit village, quoi. Toutes les arcades là. Wow. Très beau. La maison des arcades, bah voilà. Oh. On ne sait vraiment pas par où aller. On va se perdre. Ouais, c'est vraiment ça. Il y a énormément de vent aujourd'hui, ce qui n'avait pas été le cas les autres jours. Oh, mon amour. Plein de petites plantes que j'aime. Les petites plantes que Julien aime. Celle-là, vraiment belle, celle-là. Ça, j'aime beaucoup. Petites plantes grasses comme ça, j'aime bien. Il y a un superbe olivier, là. J'ai des olives dessus. Ah ouais, en plus. Je sais pas si vous voyez bien. Ah ouais, il y a des olives partout. Alors Aurélie a goûté une olive de l'olivier. Dis-nous, comment était cette olive, Aurélie? Pas mûre. Et c'est comment une olive pas mûre? Dégueulasse. C'est infâme. La gourmandise te perdra. Il y a des chances, il y a des chances. Je pense qu'un jour, ça va me jouer des tours. Santé.
Mais tu nous filmes? Comment oses-tu sans prévenir? Le droit à l'image. Très bien, hein, quand attention. Bon, du coup, je ne sais même pas. Ah, attends. Pour monter. Ouais. Mais si, ça c'est. Oui, c'est là où on est arrivé. Là-bas, il y a le salon de thé. Qui n'est malheureusement pas ouvert. Non. Mais c'est un vrai dédale, hein, si on s'y perdrait. Franchement. Ouais, c'est très chouette. J'aime beaucoup. Attention. J'aime vraiment bien cette petite ville. Ça fait hyper rustique, quoi. Ouais, moi aussi. C'est très médiéval. Tu te plais bien là, dans le dos de maman? T'as tes petits trous, t'as tes petits joues tout abîmés avec le vent. Ouais. Mets de la crème ce soir. Mets de la crème, mon cœur. Bon, et bien voilà, c'est fini pour cette vidéo. Alors, on voulait partager, Julia et moi, toute notre peine pour la disparition prématurée de Georges. Ce n'est pas quelqu'un avec qui on a passé beaucoup de temps, mais le peu de temps qu'on a passé avec lui ont été riches, très riches. C'était quelqu'un qui avait tout le temps le sourire, la banane, qui ne partait jamais sans sa bonne humeur, qui aimait la communiquer. Et on lui dit pas au revoir, on lui dit pas adieu, on lui dit juste à bientôt, parce que c'était quelqu'un de super et que même s'il est plus là, ben il est toujours quelque part dans nos cœurs. Donc voilà, c'est pas facile parce que on l'a appris comme ça du jour au lendemain et c'était quelqu'un d'exceptionnel. Voilà, on n'a pas beaucoup on n'a pas passé beaucoup de temps ensemble, mais ces moments-là étaient très riches et très importants. Donc à bientôt Georges.